l'Afrique est un continent qui couvre 6% de la surface de la Terre et 20% de la surface des terres émergées. Sa superficie est de 30 415 873 km² avec les îles, ce qui en fait la troisième mondiale, si l'on compte l'Amérique comme un seul continent. Avec plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie, et représente, en 2016, 16,4% de la population de la planète. Le continent est bordé par la mer Méditerranée au nord, le canal de Suez, la mer Rouge au nord-est, l'océan Indien au sud-est, et l'océan Atlantique à l'ouest. L'Afrique est traversée, presque en son milieu, par l'équateur et présente plusieurs climats, chauds et humides, au plus près de l'équateur, tropical, dans les régions comprises entre l'équateur et les tropiques, chauds et arides, autour des tropiques, tempérés, dans les zones d'altitude. Le continent est caractérisé par le manque de précipitations régulières. En l'absence de glaciers ou de systèmes montagneux aquifères, il n'existe pas de moyen de régulation naturelle du climat, à l'exception des côtes. Les terres arides représentent 60% de son territoire. Son environnement est néanmoins très riche. On l'appelle le paradis de la biodiversité, et le continent abrite le second massif forestier continu de la planète, la forêt du bassin du Congo, mais cet environnement est menacé par la déforestation et la baisse de la biodiversité, conséquence du changement climatique et de la pression anthropique. Le continent est considéré comme le berceau de l'humanité, là où sont apparus les ancêtres de l'homme, puis, il y a 200 000 ans environ, l'homme moderne, qui s'est ensuite répandu sur le reste du globe. Le Sahara, le plus grand désert chaud du monde, a créé un hiatus, conduisant à des évolutions historiques distinctes, entre le nord et le sud. À la période historique, la civilisation de l'Égypte antique se développe le long du Nil, l'Afrique subsaharienne voit naître ses propres civilisations dans les zones de savanes et l'Afrique du Nord, rive sud de la Méditerranée, subit l'influence des Phéniciens, des Grecs et des Romains. À compter de 3000 avant Jésus-Christ, l'Afrique connaît l'expansion bantoue. Il s'agit d'un mouvement de population en plusieurs phases, orienté globalement du nord, depuis le Grassland du Cameroun actuel, vers le sud, jusqu'en Afrique australe, atteinte au début de l'ère chrétienne. L'expansion bantoue explique la carte ethnolinguistique actuelle de la zone subsaharienne. La religion chrétienne s'implante en Afrique dès le 1er siècle, essentiellement dans l'Afrique romaine du nord du continent, puis en Éthiopie. Le 7e siècle voit les débuts de l'islam en Afrique, lequel s'installe sur la côte est, et dans le nord du continent jusqu'à la frange septentrionale de la zone subsaharienne. L'Afrique du Nord est dans le même temps arabisée. En Afrique subsaharienne, à partir du 8e siècle et jusqu'au 17e siècle, de puissants et riches empires se succèdent. Vers la fin de cette période, au XVe siècle, les Portugais, suivis par d'autres nations européennes, installent sur la côte ouest un trafic d'esclaves, la traite atlantique, qui s'ajoute à la traite intra-africaine, et à la traite orientale, qui sévissent déjà sur le continent. Le XVIIIe siècle marque le début des explorations européennes, suivies par la colonisation massive du continent entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. La traite esclavagiste cesse au début du XXe siècle, mais l'Afrique est presque entièrement sous domination coloniale jusqu'à la fin du XXe siècle, ce qui modèle jusqu'à aujourd'hui les frontières et les économies des pays concernés. La plupart des États obtiennent leur indépendance entre la fin des années 1950, Maroc, Tunisie, Ghana, et le milieu des années 1970, Angola, Mozambique. L'Afrique indépendante est constituée essentiellement de démocraties imparfaites, voire de régimes autoritaires et les conflits y sont nombreux. Depuis l'accession à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, l'Afrique, comprenant Madagascar, compte 54 États souverains, non inclus la RASD, République arabe sahraoui démocratique, et le Somaliland. Les pays du continent présente la croissance démographique la plus importante de la planète, et une situation sanitaire qui s'améliore nettement, tout en progressant moins vite, que dans les autres pays en développement.
L'Afrique repose sur une organisation sociale fondée sur la famille élargie et l'appartenance ethnique. On recense environ un millier d'ethnies sur le continent. Elle possède en parallèle la diversité linguistique la plus élevée du monde, avec près de 2000 langues vivantes. L'Afrique contemporaine est dans une situation où le poids de sa démographie est délicat à gérer, chômage, financement de l'éducation, car elle reste le continent le moins développé économiquement malgré une forte croissance depuis le début du XXIe siècle, laquelle a permis l'émergence d'une classe moyenne moins féconde, aux revenus plus élevés. Elle est en outre confrontée aux violences terroristes parmi les plus meurtrières de la planète. Économiquement parlant, le commerce intercontinental est soutenu depuis l'époque antique, et à l'époque des grands empires, le continent est le fournisseur d'or de l'Occident et de l'Orient. Plus tard, la colonisation entraîne une spécialisation massive des économies coloniales qui deviennent presque exclusivement extraverties, dévolues à l'exportation des matières premières, minérales et agricoles, vers les métropoles. Sachant qu'elle possède encore d'importantes réserves minières et pétrolières, cette situation perdure au XXIe siècle, avec en corollaire, des États rentiers et des oligarchies, qui captent les revenus au détriment de populations restées pauvres. Sa place dans la mondialisation économique actuelle est minime, au contraire des siècles passés. Certains pays ont cependant amorcé un tournant économique durant la période récente grâce à la diversification économique, le développement du secteur tertiaire et la croissance inclusive. L'art africain excelle dans des domaines tels que la danse, la musique et l'art plastique, qui lui permettent de rayonner partout dans le monde. Naissance de l'espèce humaine. L'Afrique est considérée par tous les paléoanthropologistes comme le berceau de l'humanité, où est née l'espèce humaine, Ève mitochondriale. Dans le courant du XXe siècle, les anthropologues découvrent un grand nombre de fossiles et de preuves d'une occupation par des hominidés précurseurs de l'être humain, datés, par datation radiométrique, de 7 millions d'années avant le présent pour l'espèce Sahelanthropus tchadensi, fossile Toumaï, de 6 millions d'années pour Aurorhynchus jeunensi, de 4 millions d'années pour le fossile hardy de l'espèce Ardipithecus ramidu, de 3,9 à 3,0 millions d'années pour l'Australopithecus afarensi. De 2,3 à 1,4 million d'années avant le présent pour Paranthropus boisé et d'environ 1,9 million à 600 000 ans avant le présent en ce qui concerne Homo ergasté. Après l'évolution d'Homo sapiens, il y a environ 200 à 100 000 ans, le continent est principalement peuplé par des groupes de chasseurs-cueilleurs. Selon la théorie de l'origine africaine de l'homme moderne, Out of Africa, ces premiers humains modernes quittent l'Afrique et peuplent le reste du monde entre 80 à 50 000 ans avant le présent. Ils auraient quitté le continent en traversant la mer Rouge via le Bab el-Mandeb, le détroit de Gibraltar et l'isthme de Suez. Des migrations de ces humains modernes, à l'intérieur du continent, datent des mêmes époques, avec des traces de peuplement humain précoce en Afrique australe, Afrique du Nord et au Sahara. Hiatus géographique. La taille du Sahara a considérablement varié au fil du temps, essentiellement du fait des conditions climatiques. À la fin de la glaciation qui a lieu aux alentours de 8500 avant Jésus-Christ, le Sahara était redevenu un territoire vert et fertile. On trouve, dans le Tassili-Naïé, des peintures rupestres, datant d'environ 8000 avant Jésus-Christ, représentant un Sahara fertile et largement peuplé. Plus tard, l'échauffement et l'assèchement du climat, vers 5000 avant Jésus-Christ, font que le Sahara devient de plus en plus chaud et hostile. À l'occasion d'une évolution, qui dure jusqu'à environ 3900 avant Jésus-Christ, le Sahara connaît une période de désertification. Une récession climatique importante se produit, entraînant une diminution des pluies en Afrique de l'Est et du Centre. Depuis cette époque, ce sont des conditions sèches qui prédominent en Afrique de l'Est. Le Sahara devient un hiatus climatique, qui joue un rôle capital dans le cloisonnement géographique d'une grande partie de l'Afrique. Cela réduit la quantité de terre propice au peuplement et provoque des migrations des communautés agricoles vers le climat plus tropical de l'Afrique de l'Ouest et vers la vallée du Nil, en dessous de la seconde cataracte, où s'établissent des implantations permanentes ou semi-permanentes.
Cette émigration a permis l'émergence de sociétés complexes et hautement organisées durant le 4e millénaire avant Jésus-Christ, comme en témoigne le site de Nabetea Playa. Ce hiatus climatique est un obstacle à la circulation nord-sud, Pierre Gourou parle de hiatus isolant. La vallée du Nil devient le couloir privilégié de circulation et l'Égypte suit un processus de développement distinct du reste de l'Afrique. Domestication du bétail et agriculture. La domestication du bétail en Afrique précède l'agriculture et existe parallèlement aux cultures de chasseurs-cueilleurs, ainsi le bœuf est-il domestiqué depuis 7500 à 6000 ans avant Jésus-Christ, en Afrique du Nord. Dans l'ère nilo-saharienne, de nombreux animaux sont domestiqués, dont l'âne. L'agriculture apparaît selon un processus complexe et multipolaire, vers 6000 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit d'abord d'une adoption par l'Égypte de plantes venant du sud-ouest asiatique, ensuite, vers 2000 ans avant Jésus-Christ, il s'agit d'une agriculture autochtone, avec la domestication du mil, du riz africain, de l'igname et du sorgho. Organisation des habitats humains. Des entités politiques notables s'établissent dès avant la période historique. Ainsi, le site de Nabetea Playa, à l'ouest du Nil, dans le désert de Nubie, est peuplé, quoique de manière saisonnière, depuis le 9e millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'au 1er millénaire avant Jésus-Christ. La cuvette où il est situé était, à ce moment, beaucoup plus arrosée et fertile. Le site comporte un important champ mégalithique à vocation astronomique, daté de 6000 à 6500 avant Jésus-Christ. Les populations, qui pratiquent l'élevage, présentent des signes d'une organisation d'un niveau élevé, plus que celui de l'Égypte à la même époque. On retiendra comme exemple, des constructions en pierre, au-dessus et en dessous du niveau du sol, des villages construits selon des plans établis à l'avance et des puits profonds, capables de retenir l'eau tout au long de l'année ainsi, bien évidemment, que les connaissances, notamment astronomiques, nécessaires à l'érection des mégalithes. Un peu plus tard, contemporaine de Nabetea Playa, entre -3800 et -3000 ans, la culture de Nagada, période prédynastique égyptienne, voit apparaître les premiers hiéroglyphes à Abydos. Les tablettes d'Abydos permettent d'attester l'existence d'une organisation politique en royaume, elles évoquent le roi Scorpion Ier, qui aurait régné vers 3200 avant Jésus-Christ, sur l'ensemble de l'Égypte, voire au-delà. Apparition et généralisation du travail du fer. Aux alentours du 1er millénaire avant Jésus-Christ, le travail du fer, apparu sur le continent au 3e millénaire avant Jésus-Christ, se répand rapidement en Afrique du Nord et dans la partie septentrionale de l'Afrique subsaharienne. Vers 700 avant Jésus-Christ, le travail du fer est monnaie courante en Afrique de l'Ouest. Des objets en cuivre, datant de 500 avant Jésus-Christ, provenant d'Égypte, d'Afrique du Nord, de Nubie et d'Éthiopie, ont été découverts en Afrique de l'Ouest, suggérant l'existence d'un commerce transsaharien à cette époque. L'Afrique du Nord est peuplée à l'époque antique par les peuples libyens, berbères, dispersés dans le vaste territoire de la Libye antique, Maghreb actuel. Elle est dans l'Antiquité, partagée entre les royaumes de Numidie et de Maurétanie. Des sites archéologiques tels le Médrasène et des inscriptions en alphabet ifinag témoignent de cette époque. Cette région est en contact avec les autres civilisations de l'ère méditerranéenne, comme les Phéniciens, les Grecs et les Romains. Sur la côte, la cité-état d'Utique, située dans l'actuelle Tunisie, est fondée par les Phéniciens en 1100 avant Jésus-Christ, Carthage, base d'une civilisation importante sur la côte nord, est fondée par des colons phéniciens de Tyre, en 814 avant Jésus-Christ. Utique, et plus tard, absorbée par Carthage au fil du développement de cette dernière. Cyrène, en actuelle Libye, est fondée en 644 avant Jésus-Christ par les Grecs. Elle deviendra le centre politique de la Cyrénaïque qui finira englobée dans l'Égypte ptolémaïque, dynastie des Lagides. En 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand est reçu comme un libérateur par l'Égypte, alors occupée par les Perses. Il fonde Alexandrie, qui deviendra la prospère capitale du royaume ptolémaïque.
La prospérité de la civilisation carthaginoise repose sur le commerce méditerranéen, mais aussi sur celui avec l'intérieur de l'Afrique, avec notamment les villes de Sabratha et de Leptis Magna, en actuelle Libye, situées au débouché des pistes transsahariennes. Du point de vue de l'organisation sociale et politique, Carthage ne forme pas un empire aussi solide et structuré que celui des Romains, ce qui expliquerait sa défaite. Progressivement, à partir de 146 avant Jésus-Christ, après la victoire de Rome sur Carthage, à l'issue des guerres puniques, qui donnent naissance à la province romaine d'Africa, toute la côte nord du continent est incorporée dans l'Empire romain. Civilisations anciennes au sud du Sahara. En Afrique subsaharienne, les habitats humains s'établissent et se structurent notamment en fonction de critères géographiques. Les zones de savane donnent naissance à des organisations qui, partant de la chefferie, croissent jusqu'à devenir des états-nations voire des empires. Les habitats des zones de forêt dense sont plus petits et plus isolés. Certaines de ces zones ont d'ailleurs joué le rôle de refuge pour les populations chassées par les états en expansion. Les savanes africaines ont donc joué un rôle bénéfique en favorisant, en Afrique, les conditions préliminaires à la naissance des états. Le corollaire de l'apparition des États, dans les zones de savane, a été l'éparpillement des groupes plus faibles, moins bien organisés, dans des environnements répulsifs, zones montagneuses escarpées, déserts, forêts épaisses. Malgré le hiatus du désert, le nord et le sud du continent ne sont pas totalement isolés et leur développement respectif est, en partie, lié. Une forme de commerce transsaharien est attestée depuis, au moins, l'époque de la civilisation carthaginoise. À l'époque historique, il utilise le dromadaire, animal mieux adapté aux conditions climatiques que le cheval. L'Afrique subsaharienne fournit ainsi au monde antique, via les commerçants carthaginois, les plumes d'autruche, l'ivoire et les esclaves. Aux deux extrémités des routes de ce commerce, à 2000 km de distance, Carthage et les premiers royaumes africains prospèrent simultanément, connaissant croissance démographique et développement agricole. Mais les échanges ne sont pas seulement transsahariens, le commerce transcontinental et intercontinental du cuivre, du fer, de l'or, ainsi que celui du sel, est la base du développement économique et démographique de l'Afrique subsaharienne.